Avant de commencer avec cette première vidéo de l'année, c'était important pour moi de revenir rapidement sur quelques images qui ont marqué mon année 2023. Ça a été une année assez folle et forte en plein de choses, en voyages, en rencontres, en souvenirs, mais surtout marquée par un gros changement, une grande décision qui a été notre déménagement. Après 4 ans en Asie, on a décidé de rentrer, de déménager. Et du coup, cette année 2024 marque un nouveau départ et j'ai hâte de partager tous ces nouveaux chapitres avec vous. Hola les gars! J'espère que vous allez bien! Laissez-moi me laver les dents parce que je pue de la gueule, c'est un enfer. Maintenant que je peux vous parler sans vous intoxiquer, on dirait pas pour vous, mais moi ça fait déjà 2 semaines que je suis rentrée des US et que j'ai pas pris cette caméra, donc trop contente! On est, à l'heure où je vous parle, le 29 décembre, c'est-à-dire que dans 2 jours, on est en 2024. Oui, j'ai découvert les bigoudis. Ah putain, mais je sais toujours pas utiliser, je vous jure, je comprends pas. Je vois les meufs qui les utilisent, ça fait trop beau. Ah si, je pense que ça va faire trop beau là. Ah tu vois celui-là, il m'arrache les cheveux. Ah ça m'énerve, je sais pas comment faire. Aïe 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 aïe. Une nuit de souffrance pour ça. Ce petit vlog, ça va être un gros life update. J'ai des trucs à vous dire les gars, j'ai des trucs à vous raconter. Je sais pas vous, mais moi là, j'ai zéro la vibe que c'est la fin de l'année. Enfin vraiment, toute la période des fêtes, même Noël. Pourtant j'ai passé Noël en famille, hein, mais je vous jure j'ai eu zéro... C'était trop bizarre, j'ai eu zéro ambiance de Noël. J'ai pas du tout l'impression que c'est la fin de l'année. Généralement la fin d'année c'est la période où je suis le plus motivée. Parce que je me dis ça y est, on peut laisser ce chapitre derrière. On reprend tout à zéro, c'est page blanche et tout. Mais là, en fait, cette année passait tellement vite. Et j'ai l'impression que je dis ça tous les ans. Et on en a marre d'entendre ça. Ah, oh, le temps passe trop vite, mais c'est la vérité. Genre là, c'était pire que toutes les années précédentes. J'ai l'impression qu'on a eu 2 mois de 2023. Je sais pas à quoi en penser de cette année 2023. Je suis un peu en mode... Il y a du positif, il y a du négatif. En tout cas, dites-moi vous en commentaire. Updatez-moi sur votre vie, j'espère que ça va. Vous avez passé des bonnes fêtes parce que je crois que le moment... En fait, je crois que c'est ma première vidéo de l'année. Bah oui, je suis bête. Oui, bah bonne année les gars. La santé, le bonheur, l'argent... Je sais même pas ce que je me souhaite à moi, donc vous m'excuserez pour mon manque d'inspi là, mais du bonheur, c'est déjà ça. Update sur cet achat là, le truc de chez Charlotte Tilbury, le contouring, il est trop bien. C'est devenu mon produit préféré, ça se voit pas, ça te contour mais léger. Finissons cette année fraîche. Je veux être belle aujourd'hui. Au final, je vous ai pas tout publié mes vlogs aux US parce que je me suis trop mal organisée. Et j'avais graffé des vlogs en mode ambiance de Noël, mais maintenant c'est plus Noël, donc je me dis ça sert à rien de vous les poster. Vraiment ce voyage, il a été hyper cool et hyper ressourçant. C'était le premier voyage que je faisais solo avec ma mère, parce que du coup on n'est jamais parti juste toutes les deux entre filles. Ça m'a fait trop du bien de retourner aux US. Et d'ailleurs j'ai pris une décision les gars. J'ai pris une décision de là où je vais vivre. Donc si ça vous intéresse, j'ai trop l'impression genre ma vie c'est la série de l'année et les gens ils sont en mode on veut trop savoir. Mais je suis sûre il y a des gens ça les intéresse, ok. Laissez-moi faire le suspense si j'ai envie de faire le suspense. Vous saurez dans cette vidéo. Maman, tu veux venir dire bonjour au vlog? Hola les gars, c'est bientôt la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Qu'est-ce que t'as pensé de ton année 2023? C'est quoi, genre là c'est ton premier mot qui vient à l'esprit? Je sais pas. Elle était pas un peu bizarre cette année? Si, elle était bizarre parce que, enfin... Il y a eu du positif mais il y a aussi, du négatif. J'ai eu du négatif moi parce que voilà, je suis tombée. Oh Mimi, t'es tombée. Ouais, je viens de me remettre encore du truc qui masque là, couvrance. Si vous aviez pas suivi l'histoire, ma maman elle est tombée, je l'aurais déjà raconté plein de fois je crois. Ouais. Mais elle est tombée en mai, ça? Oui, le 20 mai. Le 20 mai. Dans la rue et elle s'est pris le trottoir. Pleine face, toute la lèvre qui s'est ouverte, des points de suture. Mais ça va, je garde le moral quand même. Bah oui. Parce que j'ai retrouvé figure humaine. Vu dans l'état où j'étais, je croyais être défigurée à vie. Par contre, non, pour de vrai, c'était. Je mettrai pas de photo parce que c'est vraiment graphique. Ouais. Mais le lendemain de sa chute, quand elle m'a appelée et que j'ai vu à la caméra l'état de ton visage, j'étais vraiment choquée et c'est vraiment fou. Non, j'avais un trou là, j'avais un trou là. Et j'étais déchirée là. C'était vraiment pas beau. Et sinon, bah pour moi c'était une très belle année parce que t'es revenue, t'es là. Cadeau empoisonné. Attends quelques mois. Et pour l'instant ça va, je suis plutôt calme. Hein. T'as vu? Je me suis assagie. Hein. T'étais assagie. J'ai plus 14 ans. Hein. Bref, je voulais vous dire malgré. Elle me pousse, tu me pousses là. Tu me pousses. Malgré tout ça, j'ai passé une très bonne année 2023. Voilà, okay. Elle était très belle et je souhaite que 2024, sans chute, sans problème de santé, elle soit aussi bonne. Voilà, je vous aime, bisous.
Transition de qualité dans 3, 2, 1. Paco ? Ça y est, Paco, il a compris que c'était pour lui. Attends, on va essayer un nouveau pull, parce que maman, elle t'a acheté plein de pulls. Maman, elle t'a acheté plein de pulls. J'ai pas acheté que ces deux-là, mais regardez comme ils sont beaux. C'est lui que tu veux mettre ? Non, il est trop léger. On va essayer celui-là, ok ? Vraiment, les gars, c'est très 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 dangereux de vivre en France parce que j'ai envie d'acheter... Genre, Paco, calme-toi ! Hé ! Regardez comme c'est mignon ! Voilà. La tête, la petite patoune. Voilà. Oh, mais ça te va comme un gant. Mais que tu es beau ! Waouh ! Elegante ! Il est trop beau, mon bébé. Le petit pull à carreaux, ce sera pour la prochaine fois. Il va falloir qu'on mette la douzoune. Let's go ! On y va ? De retour de la petite balade. Putain, je vous ai pas filmé grand chose, mais c'était trop bien. Paco était trop content. Là, il est KO. T'es KO, bébé ? Tu veux dire bonjour, néné ? Toi, t'es contente d'avoir ta maman ? T'es contente d'avoir trouvé ta maman ? D'ailleurs, en parlant de chat, parlons Zoya. Vous êtes trop mignons, vous faites que m'envoyer des messages parce que tout le monde s'inquiète pour Zoya. Je sais qu'on l'a pas vue dans les vlogs, mais elle va très bien. Le gros problème, c'est cette dame-là. Oui, oui. Elle, j'avais grave sous-estimé la galère que c'est de faire sociabiliser deux chats qui sont adultes. Mais Zoya, c'est vraiment une crème. Zoya, elle est habituée à être avec des animaux. À Bali, il y a plein de chats. Enfin, il y a plein de chats autour de la maison. Par contre, elle, là, ce gros sumo, je sais pas si j'ai une vidéo de la première rencontre. Tentative numéro 1 de rencontre. On va essayer de sortir Zoya et on va voir si Néa vient la voir ou pas. Il est en train de se passer le truc le plus improbable de la Terre. Je pensais que Néa... Allez, égorger Zoya et Néa ne réagit pas, genre elle s'en tape complètement. Maman, prends Zoya. Néa ! Néa ! Néa ! Néa ! Désolée, c'était mon petit chat animaux pour tous les gens qui sont en bas de mes animaux, bah je suis désolée, c'est mes enfants. Là ! Parce que du coup, quelle heure il est ? La journée passe trop vite ! Je crois qu'il est 13h déjà, attendez, on va regarder. 13h10, et là, Louis... Il est parti avec mon père et mon frère à Marseille parce qu'on a enfin reçu nos cartons de Bali. Je vous avais dit quand on les a envoyés que ça prendrait environ 2 mois et au final non, ça a pris 1 mois. 1 mois et 1 semaine parce qu'ils sont partis début novembre. Bon, et là on est fin décembre mais du coup on a tous nos cartons. J'avais trop peur que les cartons se perdent ou qu'il y ait un truc qui se passe ou quoi. Donc là mon père m'a appelé, il y a tout qui est dans le camion et ils sont en route. On va tout stocker à la maison dans le sud. Bah attendez, c'est le parfait moment pour que je vous update. Venez, on se pose là, je vais me mettre sur le fauteuil et je vais vous updater sur la situation et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et ce qu'on va faire et tout là. Bon alors déjà pour ceux qui n'avaient pas suivi grand chose, on a déménagé de Bali jusqu'à la France le 15 novembre. Donc ça fait officiellement un peu plus d'un mois qu'on est là et on est parti au Portugal pour passer les fêtes avec ma famille. Je vous ai pas vlogué là-bas, je sais que ça aurait été cool mais il y avait toute ma famille, mes grands-parents, ça faisait genre 2 ans que je les avais pas vus. J'avais pas envie d'être là avec ma grosse caméra à filmer tout le monde. Louis a rencontré mes grands-parents et a rencontré toute ma famille portugaise et c'était trop trop bien. Donc on a fêté Noël là-bas et tout. Et là ça fait 3 jours qu'on est rentré et on a 2 semaines dans le sud, tranquille. Et ça vraiment j'en rêvais. Le 8 janvier, on part à Paris pendant 1 mois. Moi le 10 janvier j'ai mon live à l'Apollo Théâtre. J'ai peur. Pour ceux qui ont loupé l'information, je fais un podcast en live dans un théâtre à Paris. Voilà, j'ai peur. Je suis montée à Paris et que dans tous les cas, je vous avais dit qu'on voulait tester Paris et voir si ça nous plaisait. On a pris un Airbnb pendant 1 mois, on prend Paco avec nous, on laisse les chats à la maison. Donc ça va aussi leur permettre de passer du temps toutes les deux et j'espère qu'elles vont avoir genre une illumination pendant ces 1 mois et se dire « Ah, on s'aime trop ! Ouais, miaou, wouh !» Tu vois ? Peut-être. Et on va visiter les apparts parce que, à la base, je m'étais dit « Je vais tester Paris et si ça nous plaît pas, on fait ailleurs. » Sauf que niveau travail, pour moi et même pour Louis qui commence à peine à apprendre le français et tout, le meilleur endroit pour ça c'est Paris, pour nous en tout cas. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire l'inverse en commentaire. C'est vraiment un choix personnel et en soi je sais qu'il y a d'autres solutions mais je crois que dans ma tête je me suis déjà dit que je voulais vivre à Paris et que du coup ça ne change pas. On va avoir des visites d'appartements donc c'est officiel à 90% qu'on déménage à Paris. Sauf si vraiment en janvier en visitant les apparts, le quotidien là-bas on déteste, dans ces cas-là ben, on n'ira pas à Paris. Janvier c'est un peu notre période d'essai slash visite d'appartement parce que ça c'est pareil. Trouver un appartement à Paris, je sais à quel point c'est galère, à quel point c'est
cher. Et dans tous les cas, je veux vous faire une vidéo en mode recherche d'appartement où je vous montre tous les apparts que je visite et ensuite je vous montrerai celui qu'on a choisi si on en trouve un. Puis même pour moi, je sais pas si vous savez, mais j'ai signé chez Webedia cette année. Enfin, j'ai signé en début d'année, sauf que j'étais à Bali. Et donc là, c'est cool parce que je me rapproche de l'agence. Et vu que moi, ça me manquait beaucoup, ce côté humain, de voir des gens, d'aller au travail et de parler avec des humains, pas qu'à travers un écran, on pourra passer plus de temps là-bas. Et j'ai aussi envie d'être faire des nouveaux concepts sur ma chaîne en 2024. Je sais que c'est un peu le même discours chaque année et que tous les youtubeurs vous sortent ça, mais je me dis que c'est l'occasion. Nouvelle année, ouais, mais dites-moi en commentaire, là maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2024? Des concepts, des gens que vous voulez voir? Est-ce que je vous fais un haul de mes cadeaux de Noël? Ou est-ce que c'est has-been là, on est en 2023? Bon ok, ça va, je vous montre, arrêtez d'insister là, je vous montre, c'est bon, c'est bon. J'ai été très gâtée et c'est surtout pour mon futur appart parce que du coup, bah, vu qu'on va déménager, je commence un peu à faire ma petite liste des choses que je veux et j'avais demandé cette année une bouilloire et un grille-pain. Oui! Smeg! Est-ce qu'on peut déballer ensemble s'il vous plaît? Et regardez la couleur que j'ai prise, parce que c'est ça aussi surtout que je voulais. C'était cette couleur qui était hyper galère à trouver parce qu'elle est tout le temps sold out. Et je trouve qu'on la voit pas beaucoup cette couleur. Oh non, c'est trop beau. Me dites pas l'inverse les gars, me dites pas que ça, c'est pas trop beau. Est-ce qu'on se déballerait pas le toaster aussi? Il est énorme. Regardez-moi ce toaster de compétition. Ça va être trop beau dans une cuisine là, je meurs. Oh! J'ai trop hâte. Come say hi, I was talking. Come here, say hi to everyone. Bonjour. Yes. Je suis Louis. Oui. 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 Alors, bois. Tu veux me montrer les cartons? Venez, on va voir si tous les cartons sont en état, on va inspecter. Dans mes cartons, il y avait toute ma vie. Hein. Arrête. Non, c'est vrai? Arrête, tout est là. Bon, lui, il a pris cher de cartons. En fait, j'espère juste que c'est pas les cartons où j'ai mon tourne-disque, quoi. Parce que moi, dans mes cartons, j'ai mis toute ma vie. J'ai mon tourne-disque, j'ai mon ampli pour guitare électrique, j'ai mes enceintes. Tous les cartons de Bali sont là. Et là, il y a mon Togo là-dedans. Et j'espère qu'il a... Genre vraiment, ça c'est mon truc où je flippe le plus. Je vais pas l'ouvrir avant qu'on déménage. Mais j'espère que le Togo va bien parce que le Togo, c'est vraiment mon précieux, quoi. J'espère qu'il a pas pris cher. Il y en a 11 avec l'accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. En fait, je suis mitigée entre envie d'ouvrir tout parce que je veux voir si tout est ok et envie de laisser comme ça parce que je me dis que quand on va déménager, c'est plus simple de prendre les cartons directement. D'ailleurs, si on déménage pour Paris, ce qu'on fera, c'est qu'on louera un camion, je pense. Papa, il se demandait, est-ce que on demande à un transporteur de prendre toutes tes affaires parce qu'il y aura ça plus tes affaires qu'il y a dans ta chambre quand même? Ou est-ce que on loue un camion et on fait la route nous-mêmes? On est en train là, de prévoir un déménagement alors que j'ai pas encore d'appart. Hein. Ça y est, c'est officiel. Ça y est, t'as plus d'affaires à Bali. J'ai plus t'as tout là. Oh. T'as toute ta vie qui est là. T'as l'air de dire que toute ta vie tient en 10 cartons plus un fauteuil là. Ouais. T'as des belles dents, mon frère. Ouais, je sais, j'ai un appareil dentaire quand j'étais petit. T'as un trop beau sourire. Ouais. Y'a plus rien à moi à Bali. Non. Bref. Ça y est, tu m'as badé. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi? Tu vois, là, je suis dans. En fait, c'est la période, vraiment la semaine entre Noël et le Nouvel An. Là, alors. C'est la semaine où t'es en mode, je fais quoi de ma vie? Genre, y a rien à. Pour le Nouvel An, qu'est-ce que tu fais? Nouvel An, je reste chez moi. C'est quoi tes résolutions pour 2024? J'ai jamais de résolution, moi, je vis au jour le jour. Ma vie, elle est très bien comme ça. À part aimer plus, encore plus les gens que j'aime. Je vois pas ce que... Mais pourquoi? Ce que j'ai à remettre en doute sur ma vie, genre je vis très bien et je suis très heureux comme je suis, tu vois. Ok. T'es pas angoissé? Non. J'aimerais trop être toi, la vie serait beaucoup plus simple. Maman, elle a fait une tarte aux pommes là, ça sent trop bon. Je vais aller grailler une tarte aux pommes de ouf là. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi je suis revenue en France. J'aimerais pouvoir partager l'odeur à travers cet écran, mais c'est juste la meilleure chose qui existe au monde entier. Ma mère, elle fait les meilleures tartes aux pommes ever. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Rom. Ma mère, elle a un secret que je vais vous avouer maintenant. Elle met de la poudre d'amande dans les tartes aux pommes. Et c'est sa signature, genre c'est trop bon. Oh, c'est chaud. C'est trop bon. Résolution 2024. Ça fait 5 ans que c'est ma résolution. Cuisiner. D'ailleurs, petit pacte, que la première chose que je cuisine dans mon four, dans mon nouvel appart, c'est une tarte aux pommes. Ok? Mon pipou loulou, t'es trop beau. T'es
C'est le plus beau du monde. Ok, le moment que vous attendiez tous, un update de monsieur Louis ici présent, parce que c'est un peu lui qui vit le plus gros changement dans ce déménagement. Voilà. Ok, babe, so I'm gonna ask you a few simple questions and you answer and you being honest, ok? How do you really feel right now? Right now? Stress. Uh-huh. I feel stress a little bit. Everything is new, but it's okay. It's just the feeling, you know, when the first time you're going to school. Oh, yeah. Yeah, it's like that. Yeah. Like, parents leave you. Yeah, and you're like, have to figure out by yourself everything. It's just like that. You got this. But overall, you feel okay? Overall, it's fine. Do you like friends so far? C'est bon. C'est bon? C'est bon. It's fine. It's okay. It's okay. Because you only seen, I mean, really, you really seen the south, right? The no, campagne. I seen nothing. I didn't read. I bet you seen nothing also in France. Yeah, that's a little bit we were talking about yeah. it. It's our mission this year to explore France, right? Mm. We want to see beautiful places. Because that's the thing, I only stay in my comfort zone in France. I only stay in the south. Yeah. How's your French going? Bad. You want to do a test? Horrible. See, you're good. Salut Louis, ça va? Très bien, ça va. Et toi? Moi, ça va. Tu fais quoi? I'm doing interview. See, you understand at least. Yeah. What is the baddest word you learned? Fils de pute. Fils de pute. Pardon. Oh, you think you're gonna get better? You're learning fast. I think so. Je m'appelle Louis. Mm-hmm. J'ai bientôt 30 ans. Mm-hmm. Fuck, I'm old. No, you're not. How do you feel about moving to Paris? I don't know. I hope I don't get depressed. Same. Because city is not my thing. But I think it's gonna go good. You're it's gonna be great. You have high hopes. Well, as we said, if we don't like it, we can still go somewhere in the mountains, get a big jeep, build a house with wood. Sérieusement? Yeah, sérieusement. C'est pas mal. What the fuck? Our goal for now is to try it out, to make money, yeah. to try it out. And then if we don't like it, we go somewhere adventure, right? Mm-hmm. 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 Okay. That was the update of Mr. Louis. Love you. Je t'aime. Aww. Je sais pas si vous saviez, mais le rêve de Louis, c'est d'ouvrir son propre café, parce qu'il est passionné de café. Manifestons toutes les ondes positives, parce que je vous jure, il fait les meilleurs cafés du monde. Parce que c'est mon mec, hein. Vous savez quoi, le jour où il ouvre son café, je paye les cafés pour tout le monde. Pendant une journée, café gratuit pour tout le monde. Ils sont trop bons. Petit déj of choice ce matin, un gâteau. Je sais même pas quoi il est, ce gâteau. Je sais pas quoi il est, mais il est bon. Et du chocolat. Le programme d'aujourd'hui, pour le dernier jour de l'année, c'est ce matin, finir d'éditer un vlog, mon dernier vlog aux US et ma dernière vidéo d'année. Mais surtout, ma mission de la journée, c'est d'aller nettoyer ma voiture. Je suis dégueulasse. J'ai honte et je devrais avoir honte. Ma voiture est une poubelle, vraiment. Autant mon environnement, ma chambre et tout, mon bureau, je prends le temps de ranger et tout. Autant ma voiture, j'en ai rien à foutre. On peut finir ça maintenant? Au moins, c'est fait. Run it out of here. And I want you to notice when I'm not around. I wish I was special, so fucking special. Devinez qui vient tout juste de publier sa vidéo. C'est moi. Je suis trop contente. Je finis l'année avec ma petite vidéo. Il y a Louis qui fait que me harceler parce qu'il faut qu'on aille nettoyer ma voiture. Je me connais. Il faut me pousser. S'il n'y avait pas Louis, je le ferais pas. What you gonna wear? Look at this ass. Prête à ranger ma voiture. Des masques, du sucre en poudre, un pompon. Oh, SD cards. Des doliprane. C'est satisfaisant en fait. Genre ça sent le propre. Je suis trop une artiste, j'ai besoin de 5 stylos dans ma voiture au cas où si j'ai une idée. Écrire une vidéo, écrire un poème, écrire une chanson. Non sérieux, pourquoi j'ai 5 stylos dans ma voiture? On va en garder un. Mais ils sont tous moches. Je veux pas de stylos moches dans ma voiture. Terminé. Maintenant que la voiture est clean,
J'avais tout prévu. J'ai été chez Bath & Body Works et j'ai acheté un truc pour mettre dans la ventilation de ma voiture. J'espère que ça sent bon parce que ça sent mauvais. Enfin, genre, si c'est trop prenant, ça va être horrible. Et maintenant, ça sent vraiment, vraiment trop bon. Comment je peux le mettre là-dedans, moi? Comme ça? Vous voulez voir? Oui, vous voulez voir. Évidemment que vous voulez voir. Que je suis contente. Et je me suis fait un petit starter pack de sentir bon dans sa voiture parce que j'ai acheté une crème pour les mains à la vanille et un désinfectant pour les mains que je vais aussi mettre dans la voiture. Clean! He comes the sun! Yeah. Here comes the sun. Oh, September. Do you remember? September. 6, 7, 8, 3, 2, 1. Bonne année! Bonne année! Oui, j'ai eu la bonne idée de venir en haut de l'arbre pour écrire mes résolutions, enfin ma lettre. Parce que du coup, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais je fais pas de résolution. Bon, au début de l'année, je m'écris une lettre à la moi du futur, enfin à la moi de la nouvelle année. Comme ça, si dans l'année je me sens un peu perdue, je viens relire cette lettre et je me rappelle de ce que je m'étais écrit au début de l'année. Je vous avoue, je suis pas hyper à l'aise parce qu'en fait, il y a des toiles d'araignée de partout et que je suis pas montée ici depuis cet été. Joe était vraiment un bâtard, parce que mon frère me filme là. Tu m'as dit qu'il y a pas d'araignée, mais il y a plein d'araignées de partout là. Plus vous voyez toutes les épines qui sont tombées depuis cet été. C'est cinématique là, comment je suis assise? Bof. Ah, là, je suis cinématique? Ok. Alors, je vous lis ma petite lettre, même si c'est super gênant. Mais je me dis que finir la vidéo comme ça, c'est une bonne idée. Chère Devi de 2024. Par où commencer? C'est trop gênant. Je t'avoue que j'ai pas trop d'inspiration pour toi cette année et je pense pas que ce soit négatif. Je crois qu'on arrive à un stade de notre vie où tout ce que j'ai envie de te souhaiter, c'est d'être présente et reconnaissante pour tout le chemin que tu as parcouru. En fait, dans ma tête, j'imaginais pas ça, mais ça me gêne un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est gênant, mais c'est pas grave. En 2023, t'en avais des résolutions, des objectifs, des rêves. Certains se sont réalisés, d'autres non. Et c'est pas grave. Imagine si tout était si facile. Mais ce qui est certain, c'est que 2023 restera une de tes années les plus mouvementées et chargées en changements, voyages et émotions. Pourtant, c'est aussi l'une des années où t'as été le moins présente et connectée à toi-même. Tu t'es un peu perdue, à plein de niveaux différents. T'as pas toujours été la Devi que tu es, vraiment. T'as fini l'année avec un goût d'inachevé. T'as négligé beaucoup de choses dans le présent parce que t'étais toujours concentrée sur ce qui allait arriver ensuite. Toujours à te faire des plans sur la comète. Toujours à te faire des plans sur la comète, à penser à la future toi. Tu peux rester, ça me rassure quand t'es là. Arrête avec la peur de ne pas faire assez. Arrête de dire cette année c'est mon année, parce que non, c'est pas ton année, c'est ta vie. Et tu as le droit de faire les choses à ton rythme. À trop faire la course à la réussite, tu perds de vue l'essentiel. Et là j'ai pas continué à écrire, parce que faut pas trop en demander à mon petit cerveau quand même. Mais je pense que la conclusion, c'est que j'ai pas de résolution cette année les gars. J'ai pas envie d'apprendre un nouvel instrument de musique, d'apprendre une nouvelle langue, de bien manger. J'ai envie de continuer à être aussi heureuse que je le suis déjà, mais en m'en rendant un peu plus compte. Je sais pas comment vous dire, mais cette année elle est passée à une vitesse folle, parce que je pense que je prenais pas le temps de réaliser tout ce que j'étais en train de vivre. Je nous souhaite à tous, évidemment, de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Mais je me mets pas comme objectif de forcément tout faire avant la fin de l'année. Parce que du coup, cette année, bah, y a plein de choses que j'ai pas faites, que je m'étais fixée pour 2023. Et j'ai fini l'année hyper déçue de moi-même parce que je me suis dit que j'avais pas fait assez, que j'avais pas relevé tous les challenges que je m'étais lancée. Et c'est trop triste de retenir que ça, alors que cette année, ça a été une année de ouf. Si je refais le bilan et que je regarde toutes les images que j'ai prises et les photos et les souvenirs que j'ai eu une année de malade, mais c'est trop triste de me dire que tout ce que je retiens, c'est bah au final, t'as pas fait ça et t'as pas fait ci. Plutôt que de me concentrer sur toutes les choses que j'ai faites et que j'ai eu la chance de faire et que j'ai eu la chance de vivre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première vidéo de l'année et il y en a plein qui vont arriver et plein de changements et un déménagement aussi.
très imminent. Il me voit là ? Oh ! Je crois que je me souviens le crâne. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous fais des bisous ! Tu coupes pas ? Coupe.